Bonjour tout le monde. Alors, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous faire un petit parenthèse pour dire qu'il y a des clés bêta à gagner. Donc, pas sur mon Facebook ou Twitter, c'est sur le Twitter de Best Marmotte, donc un streamer qui stream uniquement du Hearthstone. Hein. Mais il a, en ce moment, il a des clés bêta, donc il en a ouais, 200 clés et plusieurs concours sur Twitter et Facebook. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de son Twitter et Facebook. Donc, voilà, c'est Best Marmotte sur Facebook et Best Marmotte sur Twitter. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Ciao, ciao, je vous laisse avec la vidéo qui suit et enjoy. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide, hein, pas durer très longtemps, genre quelques minutes. C'est juste pour ouvrir les 10 packs que j'ai eu, puisque j'ai acheté le pack de débutants. Du coup, ce qu'on peut avoir dedans, donc on va aussi les raretés, donc on a commune, peu commune, rare, cross mythe et infini. C'est sûr qu'on aura l'infini, bien sûr. Donc let's go, on va juste faire une vidéo rapide, voilà, tranquillement, mes premiers boosters que j'ouvre, tout ça. Donc là on va commencer par les plus petits bien sûr. On sait qu'on a des cartes rares, enfin, cartes normales. Ah, donc là on a une dorée. Crystal, Crackler Ancestral, Résistance 1, ok, c'est pas dégueu ça, un truc bien tanky qui permet de faire pas mal de trucs, qui réinvoque un monstre par la suite en plus. Encore une petite dorée. Alors c'est quoi coup de grâce? Ah, c'est quand il meurt sûrement. Je sais pas. Charge autant de casques que vous avez d'autres rats à lire en jeu. Ok. Vos chachas et vos autres écaflips gagnent plus de 2 attaques. Ok. Sympathique. Bon, si vous voulez voir les cartes, hein, vous faites stop sur la vidéo. Et vous regarderez tranquillement tout ça. Ok, donc pas de trucs forcément incroyables. Allez, on se lance dans les cartes un peu plus stylées. On a une chromatique. Alors, les amplifications qu'il blesse meurent si vous avez un autre justicier en jeu. Ok. Ah, le roi Schaffer, excellent. Lui est très très bien. Je l'ai eu tout à l'heure en face. Ça, enfin, il est très très bien. Je ne sais pas. On verra ça. Je vais essayer quelques decks et trouver un sympa. Alors. Sacrifiez vos poupées, elles infligent chacun un dégât au Dofus adverse de leur ligne. D'accord. Donc plutôt axé Sadida, tout ça. Et là, on arrive dans les bons gros boosters sympathiques. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? Ça, je crois que c'est du légendaire. Une infinite, absolument. Commande dans la main de son propriétaire une invocation et a 3 attaques au moins. Excellent. Pas mal ça, c'est pas mal du tout. Adamaï, le frère de Yugo, bien sûr. Donc là, on a pas mal de trucs aussi qui sont sympas. On a encore un rat. Ah, c'est pas un infini truc là encore quoi? Non, je suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on a eu quelques cartes sympas quand même. Je pense qu'il y a moyen de faire des decks autour de ces cartes. Ruel Strud. Bien sûr. Encore une. Oh, Julith, excellent! Inflige un dégât à chaque invocation adversaire qui entre en jeu. Oh, c'est vachement strong, c'est. Pas mal. Hyper mage? Ah, bah oui, en effet. En effet, en effet. Et encore une, nice! Joris. Donne un ciblable à vos autres convocations. Ok. Bon, mais voilà. Donc, c'est le petit unboxing du soir. Tranquillement. Donc, voilà. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao!